Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va mieux depuis hier soir. Mais je vais essayer de rester calme. Parce que rien que de penser de ce qui s'est passé hier, ça me donne encore envie de péter un plomb. Match nul 0-0, ça fait maintenant 44 ans que l'OM n'a pas battu Bordeaux au Matmut Atlantique. C'est parti les amis pour ce débrief. Premier point les amis, premier point de cette rencontre à composition. Alors, nous avons Mandanda dans les buts, nous avons également Balerdi et Camara en défense centrale, ça change pas. Nagatomo sur le côté gauche, Lirola sur le côté droit, nous avons Cuisance, Rongier et Gueye, et en attaque, nous avons Germain, Thauvin et Benedetto. Alors, ça alternait. Une fois, c'était un 4-3-3, une fois, c'était un 4-4 de l'urgence, avec Thauvin qui jouait en office de 10. Mais la première mi-temps, on parlait rapidement, catastrophique. Les Bordelais avaient plus d'occasions que les Marseillais. Et puis, ils jouaient sans jouer. Eux, leur but, c'était clairement de confirmer leur invincibilité. Ils s'en fichaient de gagner ou de faire match nul. Eux, pour eux, l'important, c'était l'invincibilité. Alors que pour Marseille, ils ne pouvaient pas se permettre de faire match nul. Jusqu'à la seconde mi-temps où il y a un fait marquant dont je vais vous parler tout de suite. Voilà. Le fait marquant de ce match, c'est l'action de Valère Germain. C'est l'action mais qui a tué le match de l'OM. Parce que Germain, tu sais pas ce qu'il fait devant Benoît Costil. Au début, tu n'as pas sprint en mode finisseur, en mode Mbappé. Et d'un coup, il bégaye, il te fait un espèce de centre-tir bizarre pour Thauvin, mais c'est pas possible d'être aussi nul! Nul, Germain! Nul! Comment tu as fait pour Sidi Pro? Espèce d'épi de maïs humain, espèce d'imposteur. Tu es nul, tu as bégayé. Costil, ce n'est pas Neuer, compris? Espèce d'épi de maïs humain, espèce de maïs bourduel qui gagne pas aucun duel. Tu as été exécrable hier. Et je parle même pas de Benedetto, ce faux Argentin, ce sosie de Mpokora. Mais il a été nul lui aussi. Nos deux attaquants, je les mets tout de suite dans les flops. Je le pense, des flops sur le terrain. Le pire, c'est Cuisance et Rongier. Oh, horrible. Les deux, ils étaient horribles aussi. Aucune grinta de la part des deux milieux et des deux attaquants. Horrible. Tout passait par Thauvin ou Gueye. Même Thauvin, Thauvin, j'ai pas aimé son match, mais voilà, c'est pas aussi catastrophique que les quatre que j'ai cités. Mais on a limite joué à 7 sur le terrain. C'est une honte. Quand Hicham est rentré à la place de Rongier et quand Perrin est rentré à la place de Cuisance, c'était beaucoup mieux. Mais on a joué à 9. Parce que, à cause de toi, Valère Germain, l'OM s'est pris deux cartons rouges. Deux cartons rouges à cause de ta connerie. Déjà, Balerdi qui piétine un joueur sans le vouloir, qui met une béquille. Et t'as Benedetto, grand boucher qu'il a été, nul à chier. Il a découpé du bordelais. Il était juste venu pour casser du bordelais, Benedetto. Voilà. Donc, à cause de ta connerie monumentale, Valère Germain, l'OM s'est retrouvé à 9 et a été contraint de défendre pendant 30 minutes. 30 minutes! Est-ce que tu te rends compte de ton erreur? Germain, comme l'a dit Mohamed Elneny, doit être licencié pour faute grave. Je suis d'accord avec Mohamed Elneny pour une fois. Tu dois être licencié pour faute grave. Comme Villas-Boas, tu dois être mis à pied ou licencié, l'un des deux. Mais ce que tu as fait, c'est grave, Valère Germain. Dieng, je vais pas l'accabler, mais il aurait dû rentrer juste après ta connerie. Voilà, c'est tout ce que je peux dire.
pour le débrief, parce qu'il n'y a pas, y a pas grand-chose à débriefer, aucun fond de jeu, Nasser largué, il était complètement largué, coaching nul à chier, parce que à 9, on jouait mieux qu'à 11, c'est grave. Ok, on défendait, mais il y avait plus de jeu, c'est ça qui est grave. Lirola, je le mets dans mes tops, Lirola, Camara, Balerdi. Bon, Balerdi, même s'il s'est pris un carton rouge, il a fait un bon match. Pour ma part. Mais le carton rouge, il fait le tâche, malheureusement. Donc, je peux pas le mettre dans mes tops parce qu'il s'est pris un rouge bêtement. Et ensuite, Camara, je le mets dans mes tops aussi. Mandanda, il n'y a rien eu à faire parce que les Bordelais. Tout gentils qu'ils sont, dominateurs comme ils sont, les occasions n'étaient pas franches du tout. Hein. Je suis désolé. Les attaquants, que ce soit Deprévé ou Ben Arfa, ils étaient nuls à chier. Ils jouaient vraiment pour maintenir leur série d'imbécilité. Le match nul, ça les convenait. Ça les arrangeait bien de jouer 0-0. Non mais c'est un truc de ouf, les amis. C'est un truc de ouf. On a joué mieux à 9 qu'à 11. C'est un truc de ouf. Vivement un coach, parce que j'espère juste que Nasser Larguet va pas finir toute la saison, parce que l'OM ne sera pas prêt de sortir de sa crise. Il faut rapidement un entraîneur et un fond de jeu. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Le dernier point que je vais aborder, c'est l'arbitrage. Dégueulasse. Ok, les deux rouges, je peux comprendre les deux rouges. Parce que Balerdi, il a fait pas mal, il a fait beaucoup de fautes. Tout comme Camara durant le match. Mais tu aurais pu lui mettre au moins un jaune. Mais non, il avait mis le rouge direct. Benedetto, je comprends. Et puis, t'as Adli, il a fait la même faute, exactement la même faute. Que Balerdi, le mec il se prend un jaune. Et puis, les 15 premières minutes du match, tous les 30 secondes, l'arbitre il sifflait une faute pour lui. Alors que c'était une pichenette ou un petit coup de physique, il siffle une faute pour l'OM. Wesh! Et quand c'est Bordeaux qui fait la même chose, il siffle pas. Non mais, Bordeaux a payé l'arbitre, c'est pas possible! Non mais en plus d'avoir un arbitrage maison, d'avoir cette entre guillemets ferveur, parce que le mec, il n'y avait pas de public, il y avait moyen de leur casser le cul au Bordelais, désolé d'être vulgaire, et c'est la pire équipe de Bordeaux, sans vouloir manquer de respect à Bordeaux. Là, ce soir, ils étaient catastrophiques, Bordeaux, offensivement et défensivement, et on a été incapables de mettre un but parce que t'as un épi de maïs qui est super nul en finition, qui mérite 0 sur FIFA l'an prochain, qui n'a pas été capable de trouver le cadre. Même Thauvin et Benedetto, ils étaient en mode pourquoi t'as pas tiré? Espèce d'épi de maïs, je ne demande qu'une chose, que tu te casses du club, que tu ne joues plus aucun match. Aucun match tu ne dois plus jouer. Espèce d'épi de maïs humain. Casse-toi de l'OM. Casse-toi de l'OM. Vivement que l'OM se fasse racheter. Je veux que Valère Germain soit le premier à dégager du club. Même avec un rupture de contrat comme avec Mitroglou, je veux que Germain quitte ce club. Voilà. C'était tout pour ce débrief. Prenez soin de vous. C'était en toc. C'est ciao tout le monde.